Je fais un vlog cette semaine. C'est quoi, ce que c'est un vlog? J'ai compris l'autre fois, mais pour moi c'était une vidéo. Un blog, tu sais ce que c'est? Un blog, c'est là où tu racontes. Bah, en gros, un vlog, c'est pareil qu'un blog, mais en vidéo. Je te pardonne. Tous les matins, tu te lèves et tu charbonnes. Ton négro vient de signer pour un album. Il étale. Tous vos états d'âme sur les plateformes. Ouais, j'ai compris. Il a seulement suffi d'un grand sable. Ouais, mais j'ai carrément entendu. Pour enrayer la mécanique devenue instable. De quelques femmes plutôt vénales. De carabine, une bouteille à 15. On va au CDI. Tu sais pourquoi? Non. Tu vas voir. Moi j'étais blotti sur ton épaule quand j'ai perdu mon pote à l'époque. 3 heures d'histoire là. Celle qui se déplace à mes scènes. Celle qui a du feu dans les veines. Celle qui glisse en DM de tous les petits nouveaux du game. J'ai vu dans les commentaires de Mathis sur mon TikTok, il y a quelqu'un qui a dit que s'il pouvait être mon prof de sport. Alors moi je. C'est vrai. Nous on est là. On peut rentrer nous? Bonjour monsieur. Oh, voilà. Vous avez pas le niveau. Mon père, c'est un préjugé en fait. C'est un préjugé. Je suis désolée. J'ai un niveau P1, d'accord. Il t'a dit quoi? Mais en rang, genre 5 ans, on se met en rang. C'est toujours la même chose. Tous les jours la même dose. Actualisé, comme si t'avais loupé quelque chose. Tous les jours la même dose. Actualisé, comme si t'avais loupé quelque chose. Elle m'a rendu complètement cyber, complètement binaire. Je rentre du taf, elle énumère toutes les putes que j'ai suivies sur mes comptes divers. Comme si ça changeait ma manière de considérer. Je suis en retard. Il y avait grave de monde à la cantine, du coup je suis en retard pour le cours. Excusez-moi. Toujours. J'ai pas dit qu'on était en démocratie. Je te jure, je suis pas sereine. 9 heures par semaine, je suis pas sereine. T'aimes bien les maths expertes? Pour l'instant ça va, après on a eu un cours. Bon. Première journée de fini, je suis enfin sortie du lycée. Je vous avoue que cette journée m'a paru sur super longue. J'ai fait 8h-18h, mais 2h de littérature espagnole, 3h d'histoire, 2h de philo, 2h de maths. Je vous jure, là, j'ai mon cerveau, enfin j'ai mal à la tête carrément. Du coup là, je vais arriver chez moi, il sera à peu près à 18h30. Et j'ai encore une dizaine d'exos à faire en physique, une dizaine d'exos à faire en maths. Un truc en espagnol et mon contrôle de physique à réviser. Et en plus, vu que je suis très maligne, le montage de ce vlog a commencé. Je me mets dans la merde toute seule en fait au final. Mais bon, c'est parti. J'arrive enfin chez moi. Ça fait du bien de marcher, hein, mais relou un peu. She's alright! That girl's alright with me. Pour vous expliquer un peu, en gros là je commence à 9h mais je viens à 8h du matin au lycée parce que ça me permet genre de travailler etc et genre c'est super agréable. Genre là par exemple je vais faire mes exercices de maths et je trouve que le mood est trop bien, genre il n'y a pas de bruit, il fait assez frais, en plus on peut travailler dehors etc donc c'est trop bien. Donc voilà, donc je vais faire mes exercices de maths et puis après on démarrera la journée. Bon, j'ai fini mes exercices, maintenant je vais réviser mon examen d'arbitre parce que dimanche, je passe l'examen pour devenir arbitre de basket, donc voilà, et j'ai pas trop révisé l'examen, donc là je vais faire ça maintenant et je vais faire un petit peu les examens blancs
pour voir un peu mon niveau. Regardez-moi ce cadre magnifique. Dosons, Lolo, dosons. Tout le monde. Je vais aller voir mes petites amies, je vais les contaminer. Je vais voir les gens que j'aime pas, je les contamine, je leur crache la gueule. Mais regarde, tout le monde est malade à cause de toi là. Merci. Merci, voilà. Parler. Sur le dernier TikTok, il y a un mec qui a dit que c'était pas le plus beau de la classe. Des jaloux, que des jaloux. Attends, vous avez quoi? Allô? Oui, bonjour. Oui. Nani est occupée pour l'instant, dites-moi. Aujourd'hui c'est mardi, c'est un nouveau jour, un nouveau vlog. Là, il faut courir. Aujourd'hui, reçu ma guitare, il manque plus que l'amplificateur. Là, c'est l'instant pause-déj. Il est à peu près midi et quelques. On est mardi. Et voilà, là, on va entamer nos spé. On vous fait des bisous. Là, tu mettras un swipe. You can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna F-R-E-A-K. Attends, je me suis coupée. Down, like what the fuck, the same Burberry custom brown. He said, could you throw it back when you touch the ground? And he said, do that pussy purr. I said, yeah, me out. Hold up, fuck boys, ain't no fit to roll up. Ain't no fit to tap, nippa scroll up. Eat these bitches on their toes like Manola. Be on the lookout when I come through, bolo. Wow, elegant bitch with a hot. C'est la guerre parce que là c'est tension dans la classe. Tension, mais elle t'a mis dans la villa. Non, juste, je sais pas, ça me triture, on dirait, ça me fait passer pour une méchante. Mais après, oh là, moi je suis pas ma bouche en fait. Qu'en fait, on te regarde à chaque fois en classe, tu vois ce que je te jure, ça te fait trop drôle. Ah là, c'est la fin des cours. Parce que j'ai fait ça. On se retrouve demain matin pour de nouvelles aventures. Merci Daniel pour la transition. On est mercredi. En gros, mercredi, il faut que je vous explique parce que c'est un truc que vous allez me prendre un peu pour une folle, je pense. Mon emploi du temps de mercredi, c'est ça. Et en fait, j'ai cours uniquement de midi à 13h. Mais il est 8h et je suis déjà au lycée. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer. En gros, depuis l'année dernière, voire même la seconde, j'ai pris l'habitude de quand je commence à 9h, à 10h, etc., je viens au lycée à 8h. Et comme ça, ça me permet de travailler dans une ambiance de travail, vu qu'on est au lycée, de pas être déconcentré, de pas avoir mon lit pour m'avacher, enfin bref, plein de paramètres. Enfin en fait, j'aime bien travailler au lycée plutôt que chez moi. Enfin genre, c'est forcément plus propice au travail. La situation commence à être critique parce que genre j'ai reçu des gouttes, donc je sais pas comment faire. Bon, je vais migrer parce que genre là il commence à pleuvoir vraiment beaucoup trop et j'ai peur d'abîmer mon ordinateur. Du coup je vais aller me mettre dans le lycée
je sais pas comment passer en fait là sans me bouiller. Je parle pas fort parce qu'il y a des cours à côté, mais en gros dans mon lycée il y a des genres de vitres qui sortent du bâtiment et genre c'est trop bien de se mettre. Bon là on est au deuxième étage parce que j'avais la flemme de monter, mais sinon quand t'es en quatrième genre c'est trop agréable, même là en fait. Et du coup tu peux te poser et genre t'as différents vues en fait, il y en a plein, tu vois tous les trucs de couleurs. C'est des fenêtres qui sortent et c'est genre vraiment le meilleur spot de mon lycée. Tant qu'on joue, peu importe de gagner, la vie c'est à sillonner les années et tant pis. Aujourd'hui on est jeudi, nouveau jour, on a sport, on est trop contents. Ouais, on espère que vous allez bien, on est reçus. Julie qui parle, ça fait encore plus rire. Il y aura des jours sans, des galères, des soirées qui feront venir le soleil en plein. Ça stresse, hein. Je t'aime, autant le dire comme le monde attend. Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi. Des couleurs, il en faudra. L'espace est là, dans le net, on est plus fort que ça. Rien nous arrête, on est plus fort que ça. L'espace est la tempête, on est plus fort que ça. Plus fort, plus fort. Il est malade. Il est malade. Non. Bah c'est dimanche, je suis pas venu pendant deux jours en cours. Dimanche j'étais gardien, j'ai fait mon taf. Première action du match, je me suis enculé dos. Non c'est trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Alan il est une meuf. J'ai fait comme ça, je me suis emboulé comme ça, sauf que je me suis pris le poteau. Et pendant 3 jours, j'ai eu mal au dos. C'est pour ça que tu m'as mis en cours? C'est ça, parce que je devais passer des analyses. L'épaule en fait. Non, c'est que carrément ça a enlevé ma myopie tellement qu'il était gros. Genre j'étais choquée. Qui a mis du parfum comme ça là par contre? C'est un peu nous. C'est un peu nous. Oh ça. Oh la drama queen. Non là t'abuses. Ceux dans les commentaires qui ont des cheveux bouclés, on est d'accord que c'est grave chiant quand on vous les touche. Moi j'aime pas trop parce que ça casse les boucles et tout. Mais qu'est-ce que veut nous faire là? La vie en. Je me suis changée parce que il fait trop chaud sinon. Jusqu'au bout, peu importe les avis, j'encaisse. J'ai à sillonner les échecs, et tant pis. Si je perds sur la route de mes rêves, des amis voilà. Qui durent, et je croyais pour la vie. Si tu l'aimes, autant lui dire, et le reste attendra. Je croyais que l'avenir ne se finissait pas. Vas-y, faites-moi une danse. L'espace est la tempête, on est plus fort que ça. Rien nous arrête, on est plus fort que ça. L'espace est la tempête, on est plus fort que ça. Plus fort. J'ai trouvé que les mouvements ils étaient un petit peu crispés. Donc, mais ça reste bien. Donc pour ça, je mettrai un 6. Un 6? Attendez, non, arrête. Pour l'autre là, comment il s'appelle, Elsa et Thomas d'Acosta, ils ont une vieille note. Hein. Alors qu'ils ont fait un truc grave bien. J'avoue, ils ont mis un 4. On va acheter à boire parce qu'on est en manque de sucre. Mais qui fait des blocs comme ça? Super, toujours.
prêt pour le prime de coup de vieux? Arrête. Tu suis la ligne jaune. Allez, viens. Arrête. Tu suis la ligne jaune. Donne-moi. La veste. C'est ça. On y va. Grosse. Allez, arrive. Arrêtez les gars, c'est quoi? On y va, on y va. Ma génération, elle a... Elle a tout oublié des révisions du bac. Elle veut un dealer, pas trop loin de la fac. Elle a grandi, elle s'en branle du regard des gens. Elle veut un coup d'un soir, mais qui dure 2 ans. Elle faisait des tours géantes en capla et le tour du monde sur un carta. Elle grattait une piscine pour passer le mois d'août. Elle comptait des centimes pour s'acheter une couille de mammouth. Des fois plus de cadeaux, les parents séparés. Hé, hey, Asile, Asile, tu lui as donné un bisou, hein. Quoi? Asile, tu lui as donné un bisou, hein. Ça veut dire... Non, bah non, bon, j'ai dit que c'était toi qui étais malade et tu m'as transmis ta maladie. Et j'ai dit, tu sais pas notre vie après les cours avec Mathis. Personne comprenait, mais tout le monde chantait. Dans son salon, elle a des panneaux de chantier. Elle les collectionne quand elle est... Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans... C'est moi. Je vais lire un match. C'est moi. C'est moi. Aujourd'hui c'est le dernier jour, donc je vais faire un petit outfit of the day. Vas-y, appris à moi. Alors ça c'est un petit homme qui vient de chez Zara. Ça c'est un jean qui vient de chez Fazi Barbus. Et ça c'est des Jordan. Oh la voix, je peux pas faire. Vendredi. Clap vendredi. Bientôt 40 piges, j'ai connu Zelda, j'ai vu jouer Régis, JJ au coach, génération spleen, booster au 103, les années de fin. Très bon, valide, très bon, comme tous les jours. Elle est épuisée, réussir ses partiels sans les réviser, faire la tournée des bars jusqu'à 4h du mat, puis se taper des barres devant Mission Cléopâtre. Encore choquée par Happy Tree Friends, la farine sur le chewing-gum de 2 mètres. Elle a eu des Magics, elle a eu des Pogs sur le 3310, y'avait Crazy Frog. Big Baby Pop, rêve de Tokyo, elle buvait un yacht devant Cole Lyoko. À cause de Tony, elle voulait faire du skate, c'était Picasso quand elle était sur Ray. Déjà nostalgique de l'ancienne époque, elle voudrait prouver à ses parents qu'ils avaient tort. Elle s'en fout, on peut savoir ce qu'il y a après la mort. Elle débat sur qui était le meilleur Pokémon. Là j'ai quitté le cours parce que la prof m'a demandé d'aller chercher un truc au labo. Voilà. C'était mieux avant. Remonter le temps. Premier cheveux blanc. J'ai pris un coup de vieux. C'était mieux avant. Remonter le temps. Premier cheveux blanc. Les années des filles sur le podium du spleen Pokémon. Okay. On est trop triste de vous. C'est la fin des blagues. N'hésitez pas à dire si vous voulez d'autres blagues. Je vous fais des énormes bisous. Diteuf, Beyblade, Diteuf. Je t'ai cassé comme Brice de Nice. MSN, envoie-moi un whiz. Nouvelle expression. Quand on est impatienté, vous voulez. Bref, on recommence. Les gars, nouvelle expression. Quand on est impatienté, quand on est énervé, on dit je suis pianté. Comme ça, regardez. Je suis pianté là. Et allez pas nous voler le mot parce qu'on va mettre un. C'est nous, on l'a inventé. Voilà. Il n'existe pas encore.